chose qu'on a dit, c'est Sylvain qui a inventé. Voilà, attendez. Voilà. On voit pas son nom. Hein. Voilà. Lisez. Coucou Sylvia, j'espère que tu vas bien. Le papa du dernier fils de Eka est décédé. Je ne sais pas si tu l'as appris. Il était malade apparemment. Une nouvelle qui nous a tous choqués. Vraiment triste. Et soudain, un monsieur si jeune que son âme repose en paix. Cette femme vraiment porte la poisse. S'il te plaît, cache mon nom. Bonne soirée à vous. Voilà ça qui est là. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, si on m'a dit ça, que je peux... Comment on appelle ça? Je peux... Comment on appelle ça? On peut... Comment on appelle ça? Si on écrit ça, qu'on peut... On peut faire le stopper. On peut stopper pour compatir avec elle. Où est le problème? Hein? Où le problème? Tout me dit que oui, fin qu'on concile, via fin qu'on. N'importe quoi. Ah, ça qui est là. C'est possible parce que moi, j'ai été informée du décès de mon papa. Voilà. Moi, mon problème, c'est que... Et puis, elle m'a confirmé cela un peu plus en bas ici. Et ce que je posais avec elle, je casse son nom. Voilà. Je lui ai posé une dernière question. Il a décidé à tout comme quoi. Ah, mais dit. C'est pourquoi on peut faire... On cesser le feu un peu. On va arrêter un peu les cesser le feu. On va essayer de... Comment on appelle ça? On va essayer de voir comment on peut faire pour ne plus faire les clashs un peu deux jours. Puis après, on va reprendre parce que mine de rien, les clashs qu'on fait là, ça a juste eu elle. Voilà, elle subit. D'accord? Elle subit en fait quoi. Mais non. L'enfant est français déjà. L'enfant, il est déjà français depuis, c'est fini. Son père est français, il est français. Ça va pas avoir d'incidence là-dessus. Seulement, c'est elle, parce que c'est par lui qu'elle passait pour avoir les petites aides ici en Europe, ici. C'est grâce à lui qu'on lui donnait les RSA. Même qu'elle avait pris le logement à Francoville, là, c'est lui qui a fait plus. C'est au nom du monsieur, tout ça, en fait, quoi. Voilà. Il permettait qu'elle pouvait avoir quand même des choses ici en Europe. Donc, s'il n'est plus là, c'est compliqué, en fait, pour elle. Ça sera vraiment compliqué. Voilà, l'enfant, il est français, tranquille, hein. Ça sera vraiment compliqué encore pour elle. Voilà. Donc, nous, on veut s'assurer que ce truc, on va déposer les âmes temporairement, comme l'autre a dit. Voilà. Sinon, tu as dit que c'est faux. Et puis, j'ai conduit de la cacher. Pourtant, qu'elle a été déplorée là-bas. Oui. Vous savez que si cette nouvelle est vraie, elle s'avérait vraie là, c'est pas bon. Voilà. Et puis, il peut pas venir annoncer. Ceux qui attendent que Bud de Flora va annoncer là, asseyez-vous. Elle a déjà vu, depuis qu'elle a affiché, même pour elle voulait faire bim, et puis elle a affiché que c'est le mari, sa soeur. Mais je sais ce qu'elle regrette même. Elle va venir s'asseoir pour parler encore. Il a 18h43. À 18h, il m'a fait mon. Sinon, j'avais prévu le soir de décortiquer Lucie sous emprise. Mais là, même, je suis abasourdi, je suis comment on appelle ça? Je suis moi là on cache pas. L'amour on cache pas tout le temps. Mais je dis qu'il faut pour garder, pour faire ce genre là. On va savoir ça. Voilà, je voulais. Elle dit quoi? Elle dit imbécile, la chienne, sorcière, sauvage, idiote, c'est toi qui est décédé. Et c'est ton fantôme qui est la chienne, tu es vaincu. Si tu as fini de m'insulter, il faut aller t'asseoir. C'est vous qui êtes toujours la mort ici, sur internet ici. Je ne vais même pas te répondre. Le passeport des mineurs est valable 5 ans. Pour le renouvellement, il faut l'acte. Il faudra l'acte du décès du papa jusqu'à sa majorité. Il faudra toujours l'acte du décès du papa. J'espère que... Non, c'est un petit problème. On va lui donner. C'est un petit problème. Ils vont lui donner. Même s'il est décédé, ils vont lui donner. L'enfant n'a pas de problème.
qui m'insulte, c'est ton problème. Si tu as fini d'insulter là-bas, pleurer là-bas. T'as compris? Attendez, c'est qui? Si tu as fini de m'insulter, va pleurer. T'as compris? Si tes parents de Fabius Bug, vous dites là, sinon il n'est pas décédé. Maintenant c'est un jeu. Hein? Un jeu à faire quoi? Est-ce que là tu m'aimes pas? Hein? Est-ce que là tu ne m'aimes pas? On t'a dit qu'on est venu pour casser la terre ici. Hein? Hein? Si t'as fini de m'insulter là, il faut partir pleurer là-bas. Si je n'ai pas mort là, il n'a qu'à faire vidéo pour dire que si tu es une menteuse, que je ne suis pas mort, mais voici. Puis nous, on va continuer la guerre. T'as compris? Tu viens pleurer comme ça sur mon Facebook comme ça, pourquoi? Hein? Tu viens pleurer sur mon live? Avec ta rose triste que tu as mis en profil là. Ta rose triste que tu as mis en profil là, tu parles à qui? À moi? Hein? C'est pas là, moi je suis en deuil. Hein? Je suis pas là pour vous faire des injures aujourd'hui. Moi je suis en deuil. Actuellement, viens me confirmer. Annabelle Sarah Begré. Viens me confirmer si c'est pas ça avec Bamungu Kwadion. C'est tout. Bibiche m'a dit Annabelle Begré, c'est même pas la peine de parler. Laisse comme ça. Vraiment, hein? Dis-lui de laisser comme ça. En fait quoi? Un peu stupide comme ça sur le live de quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, même quand on annonce des salles, vous êtes agressif en fait. Hein? Vous insultez les gens. Ça dit tellement que vous êtes sauvage en fait. Hein? Attendez, je vais causer à mon informatrice. On a combien d'heures de live? Si on arrive à une heure de live, je vais couper. Il y a des les blogueurs vont avoir ce jeu comment pour parler. C'est ça qui me fait mal. Parce que les blogueurs, ils vont avoir ce jeu pour parler. Merci beaucoup, Sabrina Kadji. En tout cas, on attend. Hein. Dites-nous, c'est faux. L'informatrice même est qui, puis on doit la croire sur parole. C'est ça le vent. Moi, ce n'est pas mon problème. Sortez, dites-moi que c'est faux. J'ai lu l'issue troisième sortie. Annabelle Sarah dit, tu me fais pitié. Mais tu es assis sur mon live ici. On peut s'asseoir sur le live d'une fille qui a con, on a pitié. Dégage de là, de mon live, ton gros con là. Sors de mon live. Stupide femme.
s'il est de ta famille, là, viens annoncer que c'est faux. Oui. Viens allumer le Bouddha signe de Kwadjo. C'est tout ce que j'attends. Au de lancer un jus. T'as compris, Annabelle? Tu as vu, non? J'ai placé mon like, tu es venu te sortir, tu es en train de commenter. Ils vont envoyer des demandes d'amis. Puis tu dis, moi, ah, Sylvia, non, ce que tu as appris, c'est faux. C'est pas vrai. Voilà. Mais tellement que tu es bête, tellement que tu es stupide, tellement que tu es idiot, tellement que ça te fait mal qu'on a dit là. Parce que si c'était faux là, tu n'as pas fait commentaire comme ça. On sent une fille qui a mal. Parce que tu ne voulais pas qu'on annonce la mort de ton frère sur Internet. Voilà pourquoi tu as mal. Voilà, tu comprends un peu. Parce que si c'était vraiment faux là, tu allais dire, ah Sylvia, c'est pas vrai. Hein. Parce que vous avez voulu cacher, vous ne voulez pas que ça arrive sur Internet et puis mettre ça sur Internet. Voilà pourquoi tu as mal et puis tu cries là-bas. Faut aller chercher Fabrice, fais vidéo pour me montrer. Quand il dit qu'il n'est pas bon, il est là. Oh, il dit que oui, tu me fais pitié. Tu as mal parce que j'ai annoncé la mort de ton frère, de ton oncle sur Internet ici. De ton frère sur Internet. Voilà pourquoi tu as mal. Sinon là, est-ce qu'il y a un jus dedans? Nous, on dit, on a souhaité condoléances et puis arrêter les clashs avec la fille. Si c'est vraiment vrai, toi, tu viens insulter. Parce que tu as mal. T'as compris? Parce que tu as mal. Donc là, c'est pas un jus. Non, Sylvia, c'est faux. La personne qui t'a dit, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Mon frère, il a envie. Voilà. Mais tu veux insulter. Donc, s'il est mort là, ça n'a rien fait. Il est mort. Tu as vu? C'est toi qui a fait que j'ai activé mon côté immature là. Fabrice, c'est le père du dernier fils de Mané Keïta qui est français là. Le petit bété. Là, c'est lui. Vous avez souhaité la mort aux gens, non? Maintenant, vous avez peur que la mort frappe dans vos camps là-bas. Ils vont venir. Va chercher Fabrice, maintenant, faire une vidéo pour dire non, je suis en vie. Voilà, je suis là. Parce que le bug a commencé comme ça. Un blogueur, on fait une vidéo pour déposer. Donc, il faut arrêter d'insulter. Il faut sortir pour confirmer que ce qu'il dit, c'est faux. C'est là le problème. Et puis, on fait les buzz. D'accord? Elles sont en commentaire d'insulter. Elles sont en commentaire en train d'insulter. Sinon, moi, je me suis un like où on dit, ah, Sylvia a perdu sa maman. Et puis, c'est que ma maman a envie. Et non, je m'en allais pour dire, non, c'est pas vrai, ma maman a envie, elle est là, voilà. Ou bien, attendez, je lance le numéro de ma maman. Et puis, c'est comme ça, c'est tellement simple. Mais tu veux insulter. Tu es chienne. Une imbécile chienne comme toi. Oui, tu me fais pitié. Tu as mal. Que tu ne voulais pas qu'on annonce la mort de ton frère sur Internet. C'est pour ça que tu as mal. Tu voulais cacher ça. Mais comme elle Sylvia, tout se sert, c'est pour cela aussi. Donc, les amis de Vette, on va faire cesser le feu. Emmanuel qui est en deuil. On va faire cesser le feu. Voilà. Maintenant, si après mon live, il vient dire que ah, c'est faux là, on va continuer notre clash. Je vais sortir pour dire en cas fait clash. Si elle est dans double douleur, c'est pas notre problème. Voilà, parce que c'est eux-mêmes qui auront cherché ça. Comme on le dit, la mort frappe à toutes les portes. Vous voulez rire pourquoi? Où est-ce qu'elle dit qu'il fait rire là, puis vous voulez rire? Hein? Où est-ce qu'elle dit qu'il fait rire, puis vous voulez rire là? La mort frappe à toutes les portes. Donc, arrêtez de souhaiter la mort aux gens. Parce que c'est vous, les gens de la Ekalan, vous, les gens de Emmanuel Keïta, qui est toujours en train de souhaiter la mort aux gens. Comme si vous pensez que la mort, c'est dans un seul camp. Moi, oui, je m'en fous. Le jour que vous apprenez, qu'est-ce qu'il vient de se dire là? C'est mon heure qui est arrivée. Voilà. Et puis, je vais partir avec le sourire à la bouche. Le sourire aux lèvres. Voilà. D'accord? Voilà. La mort là, ça y est, vous avez peur. Peut-être qu'on va dire que non, c'est vrai qu'il est décédé. Le billet, il est là, il est à côté ici. Peut-être qu'on va vous dire que, ah, il est décédé. Non, vous avez peur qu'on dise, ah, la fille est pas de poisse. Là, ça y est, vous avez peur des commentaires. Voilà pourquoi vous ne voulez pas afficher. Sinon, ton frère est décédé, ton frère n'est pas décédé. Dans quel coup, maintenant, tu veux t'asseoir sur mon live, c'est Annabelle Peugré. Dans quel coup tu viens t'asseoir sur mon live, on t'a bipé rapidement quoi. Ton frère n'est pas décédé. Va le prendre. Va chercher ton frère. Faut venir, il a quand même fait une vidéo pour nous dire qu'il n'est pas décédé, qu'il vit. Aïe, c'est tout. Et puis on confie à Bamungu, le nien de Kwadjo. Nous, on s'en fout, hein. Tu comprends un peu. Tu es dans ta douleur là-bas. Au lieu de rester, de pleurer ton frère, tu viens pleurer ici, sur mon live ici. Quand tu me regardes avec un problème, tu viens pleurer sur mon live.
Tu penses que ce sont tes injures à deux balles là qui ont fait que non, je vais arrêter mon live en question? N'importe quoi. Vous avez souhaité la mort aux gens sans penser que la mort peut être dans votre camp. Hein? Ça m'a dit votre vrai nom maintenant. Hein? Des gens qui passent leur temps à souhaiter. Si c'est aujourd'hui, ils ont arrêté de me souhaiter le malheur là. C'est à cause de mon billet. Un de toi, ton fils va mourir. Un de toi, tu vas mourir. Tu auras une mauvaise fée. Comme si c'est eux qui sont Dieu. Maintenant que ça commence chez vous là, maintenant que ça va arriver, il y a toujours Dieu. Et tout ce que vous me souhaitez là, c'est chez vous d'abord. Et puis ça va arriver chez moi. C'est là qui vous fait mal. On attend Fabrice va faire vidéo. On attend Fabrice va sortir. C'est le défi qu'elle a. Si je mens là, Fabrice sort pour faire vidéo pour dire que tu as envie. Le buzz est lancé. Ah, si c'est faux là, les gens vous regardent. Et puis cette vidéo, je ne vais pas l'effacer. Le titre là, je ne vais pas l'effacer. Ça va rester là. Si je mens là, sortez Fabrice. Il n'a qu'à faire vidéo pour dire que tu as envie. C'est le buzz qu'elle a montré. Il est activé. J'ai allumé. Si vous ne le montrez pas, c'est qu'il a déjà. Voilà. Puis nous, on continue notre deuil. Parce qu'on en deuil. On va arrêter un peu les clashs contre Emmanuel Keïta. Pour ne pas lui donner double douleur. D'accord? Ces imbéciles-là. Des gens qui souhaitent la mort. Genre. Donc, le conseil ici, les amis. Comme je dis toujours à mes amis d'Yvette, ne souhaitez jamais la mort de votre prochain. Ne souhaitez jamais le malheur de quelqu'un. Quand on vit, si c'était où on est venu vivre là. Tout le monde goûtera à la mort. Personne n'est éternel. Et la mort en question, c'est pas un karma. Oui. C'est pas un karma. C'est eux qui pensent que la mort, c'est un karma. Voilà pourquoi, quand il y a malheur chez quelqu'un, ils sont là, ils crient, oh, le Dieu des malheurs qui était fort. Vous n'avez pas remarqué ça. Quand quelqu'un a un petit problème, oh, le Dieu des malheurs qui était fort, c'est le karma des malheurs qui était. C'est comme ça qu'ils parlent toujours. Ils sont les premiers à souhaiter la mort aux enfants. Ils sont les premiers à souhaiter la mort. Combien de fois ils ont souhaité la mort sur moi? C'est pour ça que j'envoie mon billet là, pour que maman puisse me bénir. Oui, oui. C'est parce que j'envoie mon billet. Parce que mon billet, vous voyez comme ils ont peur de moi. Ils souhaitent ma mort. Ils souhaitent ma mère. Donc, tu auras une fin triste. On peut s'asseoir pour souhaiter une fin triste à quelqu'un. Mais je fais un retour à l'envoyeur. D'accord? Voilà. Aline Tadanyali dit je suis méchante. Je n'ai rien à foutre si je suis méchante. Ça aussi, c'est que je suis méchante. Toi, tu as dit tous mes noms aujourd'hui là. Aline Tadanyali, ça aujourd'hui, c'est que je suis méchante. Depuis que tu as écrit avec ton con que je suis méchante, ça a changé quoi? Hein? Je te dis, Blackie Mengi, ça se retourne toujours contre eux. Depuis que tu chantes que je suis méchante là, avec ton nien que tu écris avec ça là, ça a changé quoi? Hein? Ça changeait quoi? Ça changeait quoi? Arrêtez de pleurer sous mon live. Hein. Voilà. Arrêtez de pleurer sous mon live. Hein. Il a dit sortez moi Fabrice. Sortez Fabrice. Il n'a qu'à venir faire vidéo. Il n'a qu'à me faire live. Sortez Fabrice pour faire. Il n'a qu'à faire pour dire je suis en vie que si c'est pas la vérité. Que c'est qu'on a dit à Sylvain, c'est faux. Sortez Fabrice. Je vous ai montré le message de la fille qui m'a écrit. Sortez Fabrice et dites-nous qu'il est là. Que Fabrice sorte faire un live. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Pour l'instant, nous, les membres de la coalition et les amis de Vette, on dit que on lève le drapeau blanc parce qu'Emmanuel Keïta est en deuil. Oui, oui, oui. Ils sont dans le groupe là-bas. Oui. C'est ça. Oui. Arrêtez d'insulter. Oui, oui, oui. Ouais, parce que qui a annoncé le deuil ici? Et après la place de Yaka Yaka de Paris. Vous n'insultez plus, vous êtes parti. Venez insulter. Vous êtes en deuil, vous êtes sur mon live. Et moi, c'est perdu là. On peut être en deuil et puis être sur le live de Sylvia. Hein? Des perdus comme vous, comme cela. Hein? Mais quand vous souhaitez une fin triste à tous ceux qui ne sont pas de votre groupe, c'est la gentillesse. Laissez-les. 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 Et il me souhaitait fin de saison, c'était bonne chose. C'est toi qui as parti avant lui. Mais il va me suivre, non? Annie Tanyali. Il va me suivre, non? Quand j'ai parti là, toi-même ton nid aussi va me suivre, non? Oui, tu es éternel. Moi, je pensais que tu allais dire que non. Et il est éternel. Il a dit. Il est parti à Sala. Paix à son âme. Paix à ton âme à toi. Oui. Merci beaucoup, Sabrina. Paix à son âme à lui. Anita Yali. Anita va pleurer là-bas. Attendez. On m'a écrit.
Attendez, on écrit. Ils sont en train de pleurer. Pleurer quoi? Pleurer quoi? Attendez, aïe. Tu m'as écrit, mais le message s'est effacé. Il faut réécrire ton message. Parce que ça s'est effacé. Hein? Ils ont peur qu'on dise que le karma est dans leur camp. Nous, on s'en fout. On s'en fout. Même si c'est faux là, rien à foutre. Si c'est faux là, on va allumer son Bouddha. Hein? C'est parce qu'on est humain, on dit, ah, s'il y a vraiment deuil dans son... S'il y a deuil dans son camp là-bas, là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe. Voilà pourquoi j'ai fait ce live en question. Donc vos pleurs là, ça ne me dit absolument rien. D'accord? C'est comme si la mort là, c'est pas partie de la vie. Jésus même que Jésus, mais il est mort. Jésus même qui détient la vie, il est parti. Bande d'imbéciles comme cela. Toujours à souhaiter le malheur aux gens. Maintenant, quand vous croisez le malheur, maintenant vous voulez pleurer, qu'on n'a qu'à compatir. Et quand vous pleurez toujours, vous lancez les injures toujours. Mouf là-bas. Vous avez fait même le deuil du monsieur qu'on a bien fait là, mais vous voulez gâter encore son deuil là. Je ne sais pas comment vous êtes. Hein. On veut faire bien le deuil du monsieur là, vous voulez qu'on gâte son deuil. Donc les amis devaient être, on est en deuil. Hein. On est en deuil à la pipilante. Et la écalante. On est en deuil. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Attends, il y a voix, ils sont en train de m'insulter bien sur ma page. Je t'ai dit. On a rien à foutre. Hein. Allez chercher Fabrice. Qu'il vienne faire like, qu'il vienne faire like comme moi ici pour dire c'est faux. Et puis n'a qu'à retourner dans sa casine. Allez le chercher. C'est ça qu'il s'agit. Ah, vous voulez cacher aussi moi ça là aussi. Aïe. Genre un enfant devient orphelin, puis on dit non, on va cacher. Faut pas comment ça va. Toi, tu sais, quand tu vas mourir, ma chérie, je suis déjà prête à la mort. Hein. C'est toi qui appelles la mort. D'accord? Voilà. Anita Nyali, je suis déjà prête à la mort. C'est pas un événement pour moi. D'accord? C'est pas un événement pour moi. Donc, va chier en brousse. Ok? Va chier en brousse. D'accord? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Elles vont mourir. Va chier en brousse. D'accord? On dit sortez Fabrice pour faire live, vous dites que non. Comment on appelle ça? Tu sais quand tu vas mourir. On n'est pas au deuil là-bas. En tout cas, on est en deuil. On est en deuil, on va faire le deuil de notre Fabrice. Chien, Bruce. Le problème, c'est que toi-même, Anita, même si tu meurs là, il n'y a pas ça que tu es mort. Parce que tu ne te connais pas, même si tu ne m'as pas connu. Tu penses que c'est la mort de tout le monde qu'on annonce. Hein? Le jour que moi, j'ai mouru, ils vont annoncer ma mort. Parce que je suis quelqu'un, je suis l'homme. Tu comprends? C'est même dans mort, là, même, je te dépasse. Même dans la mort, je te dépasse. C'est-à-dire, le jour qu'on dit, ah, Sylvie est morte là, ils vont annoncer ça. Ils vont dire, les amis des fêtes et sympathisants. Voilà. On vient de perdre notre lionne. Cette fille-là même qui était une battante, une courageuse, elle vient de quitter le monde. Parce que je suis l'homme. Tu vois un peu. Même dans la fête des morts, il te dépasse. C'est pas toutes les morts qu'on annonce. Mais toi, quand tu vas mourir, là, non, même. Ça y est, le jour que moi, je vais mourir, là, ils vont faire deuil. J'ai ceux qui m'aiment, là, ils vont faire deuil national. Ils vont même aller au travail, même. Parce qu'ils seront dépassés. Mais toi, quand tu vas mourir, rien. Rien, ils vont faire pas de funérailles, puis ils vont attacher Péris sur la tête pour danser à ton funérail. Ils vont bien manger, puis vroom, tu vois, même dans la mort, ils te dépassent. C'est pas toutes les morts qu'on annonce, hein. Donc ta baisse gueule, ok? Dégage de mon live, idiote. Va pleurer Fabrice là-bas. Hé, on arrive à une heure de live, non?
Ah, on a 1h30, les amis. Donc, voilà. On va finir le live pour pas qu'on tourne augmenter. Parce que là, il y a la monétisation qui est sur le live en question. Donc, les amis, on va faire un cessez-le-feu. Voilà, on fait un cessez-le-feu, les amis de Vette et puis la coalition. Nous faisons un cessez-le-feu. Maintenant, s'ils disent que ce que je dis, c'est faux là, qu'ils sortent Fabrice pour faire un live. Comme ça, on va Bamungo Kwadjo. Pour l'instant, si rien n'est fait, il est décédé. Donc, on reste dans. On reste au moins 3 jours. Hein. 3 jours de deuil. Parce qu'on ne peut pas faire une semaine de deuil pour ça. 3 jours de deuil. On ne fait pas de live sur Kwadjo. On va faire nos lives. Mais on ne va pas Kwadjo. On ne lui dit rien pendant 3 jours. Vous avez compris? 3 jours de deuil. Pour le repos de l'âme du père de son enfant. D'accord? 3 jours. Il n'est pas dit une semaine, une, 2 semaines. C'est trop. Donc, on lui laisse 3 jours pour pleurer. Parce qu'elle aura 3 jours pour bien pleurer. Et puis après, on revient. Voilà. Donc, voilà. Oui, oui, 3 jours de deuil. Pas plus. 3 jours de deuil. Nous, on est bien. Puis, on donne 3 jours de deuil. Voilà. Donc, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Après, le soir, il fait live. 3 jours de deuil, hein, les amis de fête. 3 jours.